Aujourd'hui, nous allons continuer avec le livre de Genèse. Today we're going to continue with the book of Genesis. Comme on dit Genèse chapitre semence. As we say Genesis the seed chapter. Bon, avant de commencer, j'ai quelques communiqués. Before starting, I have some few announcements. Il y a les nouvelles de l'hôpital. There's the news in the hospital. La sœur Jeannette, c'est-à-dire la femme du frère Kennedy. Sister Janet, the Father Kennedy's wife. La situation s'améliore un peu maintenant. The situation is changing now. It's getting better. Hier, elle a ouvert les yeux. Yesterday, she opened her eyes. Donc, elle commence à parler un peu. She starts speaking a bit. Difficilement quand même. A little bit difficult. Donc, les médecins aussi ont dit qu'il y a une évolution. And the doctor says there's a progression. Donc, continuez à prier pour elle. Start praying. Keep on praying for her. Et aussi pour le frère Kennedy. And also pray for Brother Kennedy and all the whole family. Amen. Et Brother George Martins. There's Brother George Martin. De l'Afrique du Sud, vous le connaissez. From South Africa, you know him. Oui, j'ai parlé avec lui au téléphone. I spoke with him on the phone. Il viendra nous prêcher ici les deux jours. He will come to preach here the 2nd of June. Donc, dimanche le 2 juin. Sunday the 2nd of June. Il sera ici. He will be here. Donc, book déjà les congés. So, book the holiday. Comme ça, on vient le soutenir. So we can come and support him. C'est un bon prédicateur. He's a very good preacher. Lui, on l'appelle archéologue. They call him archéologue. Il fait sortir des choses que personne ne le fait. He brings things that people don't know. Donc il a un don spécial. He has a special gift. Et nous, comme croyants du 8e jour, us as believers of the 8th day, nous pouvons récupérer beaucoup de choses là. We can take so many things from there. Et les développer. And move with it. Amen. Et la convention de Manchester. And the convention in Manchester. Bon, à Wigan, chez Frère Faustin. À Wigan, chez Frère Faustin. In Wigan, at Brother Faustin. Donc, ça sera les 15 et les 16. Samedi 15 et dimanche 16. It will be Saturday the 15th and Sunday the 16th. Donc, il y aura le frère Levi qui va jouer la musique. There will be Brother Levi who will play the music. Mais nous allons essayer un peu de parler avec les gens qui détiennent les instruments. We will try to speak with those who have instruments. Comme ça, nous allons nous entendre par rapport aux dates. So we can get an understanding about the dates. Sinon, si ça ne va pas, on va changer les dates. Otherwise, we will have to change the dates. Amen. Voilà les communiqués. There's the announcement. Il y a le frère Joseph qui a empêché, il m'a envoyé un message. Brother Joseph, who will not be able to come, he sent me a message. Donc, priez pour lui. Pray for him. Et à la sœur, la grande sœur de la sœur Becky. And there's a sister Becky, qui est partie à Londres. Who she's gone to London. Donc, elle ne sera pas là aujourd'hui. She won't be here today. Que Dieu te bénisse tous. May the Lord bless them all. Amen. Amen. Nous allons lever pour la lecture. We're going to stand for the reading of the word. Genèse au chapitre 1. Genèse chapitre 1. Verset 1. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. In the beginning, God created the heaven and the earth, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Amen.
Tant de Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux. Seigneur, encore une fois, nous te disons merci pour lui, car ce prophète est venu nous amener la vraie lumière, Seigneur. Seigneur, posséder la Bible, ce n'est pas posséder la parole, mais la parole, c'est le Logos qui a appelé toute chose en existence. Et lors de la naissance de ce prophète, toi-même, la lumière, tu es venu, et tu lui as donné toute la connaissance divine, Seigneur. Combien nous sommes privilégiés de connaître ces choses, Seigneur. Ceci nous rend différents, Seigneur, de toutes les églises. Mais ainsi, tant de Père Céleste, comme l'a dit Paul, quelque chose qui n'a jamais monté dans le cœur, que les yeux n'ont point vu et que l'oreille n'a point entendu. Voilà pourquoi Jésus nous avait prévenu que nous allons être persécutés à cause de cela. Mais Seigneur, nous nous tenons à toi, car toi, la lumière, tu as fait le monde aussi des lumières. Béni soit ton Seigneur, béni ce moment merveilleux, Seigneur, béni tous les absents, oh Dieu, est-ce que tout soit pour ta gloire, au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Et même que le Seigneur bénisse pour nous asseoir. Amen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons continuer avec Genèse chapitre 7. Donc aujourd'hui, c'est, nous allons prendre la deuxième partie. La première partie, on avait dit. The first part, we said. Et c'est Dieu qui avait créé. And that is God who created. Dieu s'est créé lui-même. God created himself. On a dit que Dieu en tant qu'Elohim. And we said that God as Elohim. Il ne pouvait pas créer. He couldn't create. Elohim. Elohim. Il existait seul. He existed by himself. Il n'y avait rien d'autre. There was nothing else. Lorsqu'il voulait créer, when he wanted to create, il a pris la forme du Logos. He took the form of the Logos. Et tout Elohim s'est déversé ici. And the whole of Elohim poured himself in there. Amen. Amen. Et vous allez voir que, and you will see that, il n'a pas dit que le Logos a été créé à l'image d'Elohim. He never said that the Logos is created in the image of Elohim. Parce que dans le Logos là, in the Logos, tout Elohim s'est déversé. All of Elohim was poured in there. Et Elohim, and Elohim est devenu Jéhovah. And became Jehovah. Amen. Amen. Et le frère Branham dit, and Brother Branham said, que Jéhovah veut dire, that Jehovah means Dieu, God, et sa famille, and his family. Amen. Amen. Mais vous avez remarqué, but you will notice, que lorsqu'il créa Adam, when he created Adam, la Bible dit, the Bible said, il créa Adam à son image. He created Adam in his image. Amen. Amen. Ici, Elohim disparaît. There, Elohim disappeared. Il se déverse dans le Logos. He poured himself inside the Logos. Qui est la plénitude de tous les attributs de Dieu. Which is the fullness of all the attributes of God. Mais il crée Adam. But he created Adam à son image. In his image. Donc si Adam est l'image, if Adam is the image, amen. Amen. Donc il faut qu'il y ait l'original. They have to have the original. Donc Dieu, God, était, was l'original, was the original de l'image qu'on appelle Adam. Of the image which we call Adam. Amen. Amen. Mais avant d'arriver à la création d'Adam, before getting to the creation of Adam, le Logos a d'abord commencé à créer. The Logos started to create. Amen. Amen. Et quand le Logos crée, when the Logos creates, le frère dit que Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Brother Adam said God created the world for six days. Et un jour égale 1000 ans. And one day equal to 1000 years. Donc pendant 6000 ans, Dieu créa. So during 6000 years, that's when God created, was created. On dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. We say in the beginning God created this heaven and earth. Le frère Branham dit. Brother said. On avait mis point. There was a full stop. Et dans ce point là. And in that full stop. Il s'est passé aussi beaucoup d'années. There was a lot of years. Mais. But. Le frère Branham dit que. Brother said. Quand Dieu donna l'ordre à Adam de remplir la terre. When God gave the order to Adam to fill the earth. Dieu lui dit, God told him, replenish. Remplissez. Replenish, just repeat in English. Replenish. Donc remplis de nouveau. Replenish.
Once more. Amen. Parce que la Bible dit. The Bible said. Donc il y avait le chaos. There was a chaos. Il y avait rien. There was nothing. Et le frère Barnum nous dit. And Barnum said. C'était une civilisation qui était déjà passée. It was a past civilization. Que Dieu avait déjà détruit. That God already destroyed. Et dans ce chaos là, in that chaos, Dieu regarde. God looked. Il recommence encore quelque chose. He starts something else. Et le point. And the full stop. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. At the beginning, God created the heaven and the earth. Point. Full stop. Frère Barnum dit dans le point là. Frère Barnum said in that full stop. Il peut se passer beaucoup d'années. Il peut se passer beaucoup de temps. There might be so many years passed by. Il dit donc, quand la science dit. But he said, when science says. Que le monde a été créé des millions, des millions, des millions d'années. That the world was created for millions and millions, millions of years. Frère Barnum dit. Frère Barnum dit. Ils peuvent avoir raison. They could be right. Parce que maintenant le mystère qu'ils ne comprennent pas. But the mystery that they do not understand. C'est ce qui était passé avant. It's what happened before. La destruction d'une génération passée. The destruction of a past generation. C'est ce que le frère Sylvain chantait. That's what Brother Sylvain said. Quand Dieu regarda. When God looked. Il dit que cela était beau. He said that's, that was. C'était le vestige. It was the. C'était une civilisation passée. It was a past civilisation. C'était un chaos. It was a chaos. Que Dieu avait détruit. That God destroyed. Et quand il créa and when he created Adam and Eve, Dieu recommença encore de God nouveau. Started again. À partir du chaos. From nothing, from the chaos. Amen. Amen. Maintenant, le premier jour. So the first day. Toujours dans Genèse chapitre 1. In Genesis chapter 1. La Bible dit. The Bible says. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created the heaven and the earth. La terre était informe et vide. And the earth was without form. Donc la terre était informe. The earth was without form. Donc la forme que vous voyez maintenant, the form that you see now, c'est une forme que Dieu a donnée. It's the form that God has given. Mais avant ça, before that, c'était informe. It was without form. Le frère Branham dit, and Branham said, c'était comme un iceberg. It was an iceberg. Yeah, c'était comme un iceberg. It was like an iceberg. C'est, y en avait, la terre n'avait pas de forme. The earth didn't have any form. C'était informe. It was without form. Et vide. And void. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. And darkness was upon the face of the deep. Donc il y avait donc les ténèbres à la surface de l'abîme. There was darkness at the face of the deep. Vous voyez l'abîme, c'est le chaos. The deep is the chaos. The chaos. Amen. Amen. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. There was darkness around. Et l'esprit de Dieu. C'est mauvais au-dessus des eaux. And the spirit of God moved upon the face of the waters. L'eau était déjà là. Water was already there. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. And the spirit of God was moving. Et Dieu a commencé à créer. And God started creating. La première chose qu'il créa. The first thing that he created. Il dit que la lumière soit. He said, let there be light. Frère dit. Barman la Bible dit, Dieu dit. The Bible says, God said. Il dit, et pourtant, en ce temps-là, il n'était pas encore Dieu. In that time, he wasn't God yet. La Bible devait dire. The Bible was supposed to say. Elohim dit. Elohim said. Amen. Amen. Que la lumière soit. Let it be light. Nous sommes dans le premier jour. We are in the first day. Et la lumière fut. And the light was. Dieu vit que la lumière était bonne. And God saw that the light was good. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. And God divided the light from the darkness. Et Dieu appela la lumière jour. And God called the light day. Et il appela les ténèbres nuit. And the darkness he called night. Ainsi il y eut un soir. And the evening. Et il y eut un matin. And the morning were the first day. Ce fut le premier jour. Were the first day. Donc, le premier jour. The first day. Dieu créa la lumière. God created the light. Amen. Il ne créa pas le soleil. He didn't create the sun. Mais il crée la lumière. But he created the light. Et la lumière qu'il avait créée. The light that he created. C'était lui-même. It was his. C'était le Logos. It was the Logos. Et les ténèbres. And the darkness. C'était Satan. It was Satan. My mind. Amen. Amen. Et vous allez voir and you will see, que quand nous allons arriver and when we get, au quatrième jour, in the fourth day, c'est là que Dieu maintenant crée le soleil et la lune. That's where God created the sun and the moon. Yeah. Mais et pourtant, what? Au premier jour, in the first day, il avait déjà créé la lumière. He already created the light. Parce que la lumière, the light, ce n'est pas forcément le soleil et la lune. It's not about the sun and the darkness.
le soleil et la lune. The sun and the moon. Parce que il y a des insectes qui allument la lumière. Because there are insects that shines light. Amen. Vous avez déjà vu ça? You've ever seen it? On appelle ça luciole. Luciole, ça reproduit la lumière. It's now insects produce light. Je ne sais pas par quel miracle. I don't know from. Mais ça reproduit la lumière. But it produces light. Les logos déjà. But the logos était la lumière. Was the light. En ce moment-là, at that time, Dieu créa God created la lumière the lights, et il les sépara des ténèbres. Amen. Donc, depuis Genèse 1, Genesis 1, la lumière the light ne collabore pas avec les ténèbres. Never worked with darkness. Amen. Amen. La présence de la lumière, the presence of the light, c'est l'absence du ténèbre. Is the absence of the darkness. Si la lumière disparaît, if the light disappears, automatiquement les ténèbres sont là. Automatically the darkness. Amen. Will be there. Il n'y a pas de négociation. There is no negotiation. Ça c'était le premier jour. That was the first day. Mais dans Jean au chapitre 1, in John chapter 1, la Bible dit, the Bible says, au commencement était la parole. In the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Amen. Le Father nous dit, avant de créer la terre, before creating the earth, Dieu devait d'abord produire le logos. God was supposed to produce the logos. Et par le logos, and from the logos, il appelait toute chose en existence. He called everything to existence. Au commencement était la parole. And the beginning was the word. Et la parole était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole était Dieu. And the word was God. Il était au commencement avec Dieu. The same was in the beginning with God. Il était au commencement avec Dieu. The same was in the beginning with God. Toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole. All things were made by him. Donc la parole, I mean, the word, ce n'est pas la Bible. It's not the Bible. Amen. Amen. La parole, the word, c'est le logos. It's the logos. C'est ce logos-là, it's that logos qui était au commencement, that was in the beginning, qui a appelé toutes choses en existence. That called everything to existence. Et c'est ce que nous appelons la parole. And that's what we call the word. Et nous aussi, us, nous sommes sortis de ce logos. We came out from that logos. Si nous sommes sortis de là, if we came from there, nous sommes aussi la parole. We are also the word. Amen. Amen. Elle était au commencement. She was at the beginning. Toutes choses ont été faites par elle. Everything was made by him. Par la parole. By the word. Donc nous, us, en tant qu'attributs, as attributes, nous étions là dans le logos. We were in the logos. Créant. Creating. Avec lui. We, him. Donc, nous aussi, we also, nous sommes we are des créateurs. The creator. Amen. Et le frère Branham a dit, and Brother Branham said, la même chimie qui est dans l'océan, the same chemical that is in the ocean, si vous le prenez avec une cuillère, if you take it with a spoon, il dit que ce sera la même chimie à la cuillère. It will be the same chemical in the spoon. Donc, means, si Dieu est créateur, if God is a creator, nous aussi, we also, nous sommes des créateurs. We are the creators. Le problème c'est que the only problem is nous créons dans le sens négatif. We are only creating in a negative way. Amen. Amen. Tout ce que tu veux, everything that you want, tu peux créer. You can create. Tout ce que tu as besoin, everything that you need, tu peux appeler en existence. You can call it to existence. Parce que because tu as été dans le logos, because you were in the logos, qui est le créateur, which is the creator. Amen. Même Dieu, even God, ne pouvait pas créer en tant qu'Elohim. Couldn't create as Elohim. Avant de créer, before creating, il devait d'abord devenir la parole. He was supposed to become the word. La lumière, the light. C'est comme ça qu'il est devenu. That's how he became the logos. Amen. Amen. Écoutez. Listen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. The same was in the beginning with God, and all things were made by him, and without him was not anything made that was made. Amen. Amen. Donc la parole, the word, est une pensée exprimée. It's a thought expressed. Amen. Donc tout ce que vous voyez, everything that you see, c'est d'abord une pensée. It was a thought. Cette chair, this purpose, c'est d'abord une pensée. It was a thought. Les baffles là, the speakers, c'est d'abord une pensée. It was a thought. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un, there has to be someone, quelque part, somewhere, qui est en train de penser. Who's thinking? Et il amène dans cette pensée là, il matérialise dans la pensée. And bring that thought to existence. Amen. Amen. Et c'est comme ça aussi Dieu. That's how God is.
Il pensait. He thought. Et après, and then after, il le manifeste. He manifests. Ça devient la parole. It becomes the word. Et quand ça devient la parole, when it becomes the word, ça appelle toutes choses à l'existence. It brings everything to existence. Donc c'est-à-dire, rien n'a été créé sans la parole. Nothing was created without the word. Même le diable, even the devil, il a été créé he was created par la parole. By the word. Mais lui maintenant, by him, il est un élément du temps. He became, he is an element of time, a time element. Amen. Il est l'élément du temps. He's the time element. Il a un commencement. He had a beginning. Et une fin. And had to, an end. Mais celui qui vient de Logos. But the one that came from the Logos. N'a ni commencement. Has no beginning. Ni fin. No end. Amen. And donc il a existé avant. He existed before flesh. Et il vit dans la chair. And he lived in the flesh. Et quand il meurt, and when he died, il continue à vivre. He continued to live. Celui qui croit en moi. The one, the way of believing, est passé de la mort, has passed from death à la vie, to life. Comme l'a dit le frère Branham. As Branham said, il dit que l'éternité était comme ça. He said that eternity was like this. Et il y avait une bosse. And there was a gap there. Bosse. A boss. Yeah. Bon, comment on dit ça, une bosse, c'est-à-dire une déformation. Yeah. It was arm. Donc il y avait une déformation. Yeah. Il dit quand le péché s'est introduit, so when sin came in, c'est là qu'a déformé l'éternité. That's the deformed the eternity. Mais l'éternité, but eternity, ne s'est pas arrêtée. Did not stop. Mais quand la rédemption est venue, when the redemption came, ça a ramené l'éternité dans son état parfait. It brought eternity into its perfect. Amen. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, we as children of God, il dit que dans la chute, he said in fall, nous connaissons une déformation. We had a deform. Et vous connaissez la chute? And we, you know what chute? La chute, the fall. The fall. Yeah. La chute, the fall, c'est lorsque vous tombez dans la chair. It's when you fall in the flesh. Amen. Amen. Votre chute, your fall, c'est votre naissance. It's your birth. Comme l'enfant qui est là, as the baby there, elle est née, she's born. Non, elle a chute. She's fall. La chute, fall, c'est tomber bas. It's coming down. Parce que l'enfant là, because that child, avait le péché dans la chair. Before coming in flesh. Donc elle était une pensée. She was a thought. Dans Elohim. In Elohim. Amen. Amen. Elle était logos. She was logos. Maintenant, lorsqu'elle a manifesté la chair, as she manifested in the flesh, elle devait quitter l'état là. She has to leave that place. Pour devenir la chair. To become flesh. Donc elle a chuté. She fall. Dès qu'elle est née là-bas, well, as soon as she was born, vous voyez le bébé là, as you see the baby, c'est déjà le péché. It's already sin. Elle ne connaît rien. She doesn't know anything. Mais c'est déjà le péché. It's already sin. My. Yes, sir. Amen. Amen. Mais à l'intérieur d'elle, inside of her, c'est une éternité. It's eternity. Donc elle, ce n'est pas quelqu'un qui est né aujourd'hui. It's not somebody who's born today. Elle a toujours existé. She always been. Amen. C'est ça la différence entre l'éternité et le temps. That's the difference between eternity and time. Et maintenant, and now, lorsque vous tombez dans la chair, when you fall in the flesh, vous êtes dans la chute. You are in the fall. La parole vient. The word comes. Pour remonter les bosses. To bring back the harm. Maintenant, jusqu'à ce que up until vous quittez la terre, you leave the earth, vous revenez maintenant you dans l'état normal. In your normal state. Là maintenant, vous récupérez. That's what you. C'est le corps parole. That's why you take the word body. Le frère de la Bible dit. The Bible says. Si cette tente dans laquelle où vous habitez est détruite, if this tent in which you're living in is destroyed, il y a déjà une autre qui vous attend. There's already another one waiting for you. Et le frère Branham dit. The Bible says que cette tente là, that temple, c'est votre corps glorifié. It's your glorified body. Le corps glorifié là, glorified. Il dit, c'est ici dans le tabernacle. He said it's here in the tabernacle. Comme dit la Bible, as the Bible says, vous allez récupérer vos tabernacles éternels. You will receive your eternal tabernacles. Amen. 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 Le tabernacle éternel. The eternal tabernacle. Comme dit Ecclésiaste, l'homme quitte pour aller dans sa demeure éternelle. The man leaves to go to eternal dwelling. Et dans sa demeure éternelle, and in that dwelling eternal, il y a point de chute. There is no fall. Parce que vous avez quitté la chute. Because you left fall. Amen. Amen. Voilà pourquoi. That's why. Lorsque les gens pensent, when people think, que l'homme de la chair, the man of the flesh, va aller au ciel, go to heaven, frère, c'est un rêve. Brother, it's a dream. Parce que l'homme de la chair, the man of the
flesh. Il est lui-même la chute. He is himself the fall. Son origine, ce n'est pas le logos. His origin is not from the logos. Voilà pourquoi on a besoin de Branham. That's why we needed Branham. Mais dans ce domaine de la dénomination, the denomination and teachings, on dit, frère, nous allons changer. Brother, we will change. En un clin d'œil, in a twinkling of the eye, clin d'œil, in a twinkling of the eye, au son de la trompette, in the trumpet sound. Amen. En un clin d'œil, in a twinkling of the eye, et nous allons changer. And then we will change. Comme on passait à Glasgow disait. As we passed in Glasgow to say. In a twinkling of an eye. In a twinkling of an eye. Il faisait ça. He used to do this. Il dit, ça sera tellement rapide. It will be so fast. Frère Branham me dit, Branham said, la seule façon pour changer ce corps, the only way to change this body, ça doit passer par la mort. Yes, amen. Il dit, c'est en ce moment-là, he says, at that moment, le mortel, the mortal, révèle l'immortalité. Reveal the mortal, the immortality. Frère Branham me dit, Branham said, lorsque l'ange de la mort, when the angel of death, se tient au pied du lit, stands by the bed, stand near the bed, pour vous récupérer, pour vous prendre, to take you. Il dit, c'est en ce moment-là, he said, it's at that moment, que l'immortel, that immortal, non, le mortel, that the mortal, révèle l'immortalité, reveal the immortality. Amen. Donc, ça, donc les changements se passent comme ça. That's how the change takes donc, place. Il n'y a pas de changement de X or. There is no X or changing. Amen. Tout le monde est appelé à changer comme ça. Everyone is called to change like that. Parce que c'est une loi. Because it's a law. Parce que l'homme qui est ici, because the man that is here, il n'est pas venu dans la parole de Dieu. He did not come by the law. Il n'est pas venu selon la parole. He did not come according to the word of God. Il est venu, he came selon la parole de Satan. As the word of Satan. Frère, tu ne peux pas prendre le micro là et faire des saints pains. To make it bread. Non, c'est impossible. It's impossible. Parce que c'est du plastique. It's a plastic. Si vous voulez faire du pain, if you want to make bread, vous devez prendre la farine. You have to take the flour. Amen. Avec la farine, with the flour, vous produisez le pain. You produce parce que c'est la nature du pain. Because that's the nature of the bread. Vous ne pouvez pas prendre, you cannot take la caméra là the camera, et yeah, faire de ça and make it un pain. A bread. Vous devez faire de ça des arachides. Or make it a nice. Donc c'est impossible. It's impossible. Pourquoi? Why? Parce que ce n'est pas la nature. Because it's not the nature. Et tu ne peux pas prendre ce corps and you cannot take this body pour transformer and ça, transform it, faire de ça maintenant like un corset. Non, c'est impossible. It's impossible, brother. C'est impossible. It's impossible. Sinon, si c'est le cas, if that's the case, Dieu n'allait pas prévoir un autre corps. God will not provide another body. Sinon, Dieu allait dire que votre corps va changer. Now your body will change. Le problème, c'est quoi? What's the problem? Lorsque Dieu dit, when God says, vous allez changer, you will change. Les gens pensent que people think, les changer, c'est quitter. Vous prenez le corps et le péché, take that body of sin, et vous le changez. And you change it. Oh, c'est pas ça. That's not it. Dieu utilise le même verbe. God uses the same verb. Mais, but la définition derrière, yes, but the definition is different. Je vais donner un exemple. I'll give you an example. Un jour, one day, on était en Belgique. You were in Belgium. Ma belle-sœur, la sœur Sandra, ma sister-in-law, sister Sandra, elle sortait avec les enfants. She was going out with the children. Quand ils sont arrivés devant l'ascenseur, when they got in front of the lift, elle dit à Becky. She told Becky. Becky, she said, Becky, appelle l'ascenseur. Call the lift. Et Becky était là. And Becky was there. Et dit, ascenseur. Ascenseur. And Becky was there. Lift. Start calling. Vous comprenez? You see? Le verbe c'est appeler. The verb is call. Mais remarquez. But not this. Si on dit, if we say, appelle le frère Noé. Call the Noé. Tu vas faire comment? What are you going to do? Noah! On t'appelle. They're calling you. Mais s'il faut appeler l'ascenseur, you have to call the lift. La pratique est différente. There's a different way to call it. Pour appeler l'ascenseur, call the lift. Il faut appuyer le bouton. You have to press the button. Donc pour appeler le frère Noé, call Noé, tu peux utiliser ta voix. You can use your voice. C'est ça la différence. That's the difference. Quand Dieu parle ici, when God speaks, les autres appellent l'ascenseur. People are calling the lift. De la manière de in the way Becky is calling. Enfin, tu peux appeler du matin jusqu'au soir l'ascenseur de Vietnam. Brother, you can call
from since the morning up to night, the leaf will not come. Quand la sœur sainte revenait. When the sister sainte came. Oh, mais j'ai venu appeler la sainte. La tour du corps. Il dit non, j'ai appelé la sainte. He said, I called. Mais la sainte n'est pas venue. The leaf did not come. Il dit non, il fallait appeler. Il suit un quoi? Mais je vais faire comment? Well, how would I do that? Je devais appuyer le bouton. You should have pressed the button. Mais le langage utilisé. But the word that you use is called the leaf. C'est ça avec Dieu. That's how it is. Quand Dieu dit nous allons changer, when God said we're going to change, les gens pensent, les changements là, people think that that change, c'est changer le corps là. Changing the body. On le voit, Barnabé dit que les changements en question, the change, c'est le mystère du parallèle et commun. It's the mystery of parallèle commun. Vous changez d'un état, you change from a state à un autre. To another. Frère Barnabé dit, c'est une régénération. We want to say it's a regeneration. Comme c'était. Headworth, ça va changer. It will change. Frère Branham dit, ce n'est pas que ça va exploser. It's not that it's gonna explode. Les feux vont brûler. The fire will burn. Et la terre and the earth va changer will change d'un état from a state à un autre. Il met c'est la même idée. It's the same earth. Amen. Frère. Brother. Un jour nous irons au ciel. One day we'll go to heaven. L'héritage de l'homme c'est la terre. The man heritage is the earth. Amen. Amen. Quand vous suivez le langage des croyants, when you follow the believers language, pour eux, for them, un jour nous allons partir au ciel pour rester là-bas. One day we'll go to heaven to stay there. Or, oh, heureux et de bonheur, car ils hériteront la terre. C'est la terre qui est la demeure de l'homme. It's the earth which is the dwelling place of the man. Parce que si Adam n'avait pas chuté, if Adam did not fall, il serait resté sur la terre. He would have stayed on earth. Parce qu'avant de venir sur la terre, before coming on earth, Adam était le logos. Adam was the logos. C'est dans cette terre qu'il était au ciel. It was in that state. He was. Mais quand Dieu l'a créé, when God created, Dieu lui a donné la terre comme possession. God gave him the earth as a possession. C'était son héritage. It was his heritage. Oh, la rédemption, the redemption, est venue nous ramener notre héritage. He came to bring us our heritage. Amen. Amen. Maintenant, l'héritage nous a été ramené. The heritage was brought to us. Mais nous voulons fuir pour aller au ciel. But we want to run to go to heaven. Laissons notre héritage. And leave our heritage. Dieu mal compris. God misunderstood. Amen. Amen. Rien n'a été fait sans elle. Nothing was made without him. Sans la parole. Without the word. Toujours Jean chapitre 1. Still in John chapter 1. Écoutez bien. Listen. En elle était la vie. In him was life. Donc dans la parole. In the word. Dans les logos. In the logos. Et la vie était la lumière des hommes. And the life was the life of the man. Of amen. Man. Vous voyez la lumière qui a été créée. See the light that was created. Au premier jour. On the first day. Ce n'était pas le soleil. It wasn't the light. Mais c'était la lumière. It was the light. Dieu lui-même. Of God himself. C'était Dieu lui-même. It was God himself. Qui était cette lumière. Who was the light. Dans les premiers jours. In the first day. Et cette lumière-là. And that light. A appelé toutes choses en existence. Called everything to existence. La lumière luit dans les ténèbres. And the light shone in the darkness. Donc si Dieu est la lumière, if God is the light, c'est que les ténèbres, that means the darkness, c'est le contraire de la lumière. It's the contraire of the light, the opposite of the light. Et déjà depuis ce temps-là, since that time, Dieu sépara la lumière, God separated the light, avec les ténèbres, with darkness. Y a pas cohabitation. There's no living together. Amen. Amen. La lumière luit dans les ténèbres. Light, the light shone in the darkness. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. And the darkness comprehended it not. Amen. Amen. La lumière luit dans les ténèbres. The darkness shone on the darkness. Or Jésus. The darkness. Jesus. Et la lumière du monde. Jesus is the light of the world. Amen. Amen. La lumière Jésus. The light Jesus. Est venu vers les ténèbres. Came to the darkness. C'est-à-dire les prédicateurs. That's with the preachers. Les Juifs. The Jews. Ne l'ont point reçu. Did not receive it. Donc quand Dieu parle de la de ténèbres, when God speak of darkness, c'est sur ce genre-là, it's those people, des églises, of churches, c'est ça les ténèbres. That's darkness. C'est sur les humains. It's human. Donc les ténèbres là, the darkness, c'est le diable. It's the devil. C'est sur des humains. It's human. Et la lumière aussi. And light. Ce sont des humains. They are human. Amen. C'est la lumière qui a été créée. It's the light that was created. Au premier jour. In the first day. Amen. Amen. Il dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. There was a man sent from God whose name was John. Il va pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. The same came for a witness
to bear witness of the light. Afin que tous crussent par lui, par Jean. And that all men through him might believe. Amen. Amen. Fallait que tout le monde puisse croire par Jean. Everyone was supposed to believe through John. Jean est venu rendre témoignage de la lumière. But John came to bear witness of the light. Oh, la lumière là. That light. C'est cette lumière. It, that light there. Et Jean aussi and John also était une partie de la lumière. Was part of the light. C'était le premier jour. It was the first day. Dieu créa la lumière God et created the dark and the light and the darkness. Darkness. Et puis, Psaume 119. And in Psalms 119, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. The road is a lamp unto my feet and the light unto my path. Amen. Donc la parole de Dieu, the word of God, est une lampe, is the is lamp, et est une lumière, and it is a light. La lumière en question, the light in question, donc c'est la parole de Dieu, is the word of God, et c'est le logos, and it is the logos. Amen. Vous allez voir un détail aussi. You will also see one another detail here. Voilà. Le deuxième jour. The second day. Genèse 1. Genesis 1. Dieu dit. And God said. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Let there be a firmament in the midst of the waters and let it divide the waters from the waters. Donc il y avait les eaux. There was water. Dieu sépare les eaux d'avec les eaux. God separate water. Je sais pas si vous êtes avec moi. I don't know if you are with me. Ça c'est l'eau. That's water. Ok. Amen. Dieu sépare les eaux. And God separate the water. D'avec les eaux. With water. Et il laisse cette étendue ici. And he leaves it like this. Amen. Amen. Donc, meaning, il y a les eaux. There was water. Au ciel. In heaven. Et de l'eau. And water. Sur la terre. On earth. Et l'étendue là, and that's, that space there, c'est ce que nous appelons, that's what we call, le ciel. Heaven. My mind. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Mais là, quand les gens parlent du ciel, when people speak of heaven, le ciel, the heaven, c'est l'étendue qui sépare l'eau avec elle. L'eau du ciel et l'eau de la terre. It's a part that separates the water of heaven and the water of the earth. Amen. Amen. Écoutez. Listen. Que sépare les eaux avec les eaux. Le verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous, en bas, de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. And God made a firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Amen. Amen. Et Dieu appela l'étendue comme ciel. And God called the firmament heaven. Amen. Amen. Donc l'étendue là, that part there, Dieu appela ça ciel. God called it heaven. Amen. Amen. Et en haut là-bas il y a des eaux. And above there is waters. En bas aussi il y a des eaux. And there's water underneath. Et l'espace au milieu c'est ça le ciel. And the space in the middle that's heaven. Amen. Amen. En anglais on appelle ça sky. In English we call it sky. Ou en français le firmament. Or firmament. Dieu n'est pas dans le sky. God is not in the sky. Dieu est à heaven. God is in heaven. Et heaven. And heaven. Le frère Branham est venu. Il nous dit que c'est une dimension. He told us that it's a dimension. Donc si vous montez, if you go vers le haut, all the way up, vous allez là-bas, il y a des eaux là-bas. You go up, there's water up there. Amen. Amen. Maintenant les eaux là,
waters. C'est en forme d'iceberg. It's a form of iceberg. Iceberg. The iceberg. Écoutez ce que le frère Branham dit dans la cruauté du péché. Listen to what Brother Branham says in. Il dit. Puis il a dit. And then he said. Après qu'il y ait fait tout cela. After doing all of that. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Before doing anything else. Il dit, je peux voir cette petite alors se déplacer au-dessus de cette terre. I can see this small light but moving on top of the earth. Qui était simplement de la cendre gelée. Amen. Amen. Suspendu là comme un grand iceberg. Suspended there as a great iceberg. Donc quand Dieu crée. When God created. Donc la terre était là. The earth was there. Comme une glace. As a glass. Amen. The ice. C'était suspendu dans l'espace. It was suspended in the space. Comme un grand iceberg. As a great iceberg. Il dit. He says. Et il l'a rapproché du soleil. And he brought it near the sun. Et il a commencé à le faire tourner comme cela. And start turning it like this. Autour du soleil. Around the earth. Comme cela commençait à fondre. And that started to melt. To melt. Et les grands glaciers se sont détachés. And the great ice were detached. Donc l'eau que vous voyez là, water as you see there, ça venait de la glace. It was coming from the ice. Amen. Voilà pourquoi l'Afrique du Sud. That's why in South Africa. Ils commencent maintenant à expérimenter une pénurie d'eau. And they start noticing. L'eau va commencer water, l'eau diminue. That water is reducing. It's really. Yeah. Et ils ont fait un projet. And they made a project. Donc d'aller chercher les glaces, les icebergs. To look for the iceberg. Dans les larges de l'océan. In an ocean. Pour faire de ça de l'eau. To make it of water. Amen. Yeah. Donc la terre était là. The earth was there. L'eau était là. The earth, water was there. Comme une glace. As a glass, as an ice. Et le frère continue. And the brother continued. Il dit. He says. Quand cela explosait. When that explodes. Le Texas s'est formé. Texas was made. Et les plaines. And the plain. Et les plaines là. Comme on nous l'a enseigné. As they taught, as we were taught. Les icebergs sont venus là. The iceberg came there. Il dit, les meilleurs chronologistes peuvent comprendre. C'est the best. Will understand. Et alors toute la terre, après que cela s'est précipité, and as all the earth as went down, dans ce golfe du Mexique, et ainsi de suite, a commencé à se découvrir, à couvrir l'eau et la terre. Et la terre était de forme vide. Maintenant nous sommes dans Genèse au chapitre 1. Now we're in Genesis chapter 1. Et lorsqu'il y a eu explosion, when there was the explosion, il y a eu des fragments. Donc, quand il y a eu l'explosion, when la terre s'est formée. When there was the explosion, the earth was made from. Et il y a eu une autre explosion. There was another one. Il y avait la lune. There was a light. Ainsi de suite. And so on. Et c'est Dieu qui était en train de créer. And it was God creating. Amen. Amen. Et ça, and that, c'était le deuxième jour. Was the second day. Maintenant. Now. Au ciel, in heaven, il y avait aussi des eaux. There were also waters. Et les eaux du ciel là, and the waters of heaven, c'est sous forme d'iceberg. It's a form of iceberg. Parce que quand vous voyagez dans l'avion, when you're traveling in the plane, et dans l'avion là, in the plane there, au ciel, in heaven, il y a des glaces là-bas. There's ice there. Parce que si vous montez dans les hauteurs, if you, the more you went up, la température descend. The temperature goes down. Là-bas, il fait très fort. It's very cold up there. On m'a dit à Goma, in Goma, là où se trouve le volcan, where there's a volcan, en haut là-bas, up there, la température descend jusqu'à dans les moins 5. The temperature goes down up to the minus 5. Amen. Et pour aller en bas, well, down. La température est. La température monte. The temperature is so high. Bon, si le soleil est en haut, if the sun is up, il devait faire plus chaud au ciel. It was supposed to be more hot in heaven.
qui est sur la terre. Here. Amen. Même le positionnement du soleil est mal compris. Even the position of the sun is misunderstood. L'eau qui est au ciel, the water that is in heaven, parfois ça tombe sous forme de gueule. Sometimes it falls in the form of comme de glace. Or as a form of glass. Ça brise même parfois les vitres des voitures. And sometimes it breaks the cars windows. Et c'est ce qu'on appelle il y a des clouds qu'on appelle les cumulonimbus. The things that we call cumulonimbus. J'ai pris une définition ici sur Wikipédia. On dit the outdoor inside a cumulonimbus associated with a supercell thunderstorm can reach 45 meters per second. Ça dit 87 km. Ça dit il y a une pression. You say there's a pressure dans ce cumulonimbus là. In that cumulonimbus. Ça dit que quand l'avion entre dedans, when the plane goes inside, ça peut créer une grande turbulence. It can create a great turbulence. Jusqu'à ce que ça peut désintégrer l'avion. Up until it can shake the plane. Donc ça dit ça peut comment break apart. It can break apart. L'avion. Ce sont des eaux qui sont restées au ciel. It's the heaven, the water which are in heaven. Et lorsque le frère nous a dit, and when told us, la Bible même dit, the Bible even said, il vient avec les nuées. It comes with the cloud. Les gens ont pensé que c'est les nuages qu'ils voient. People thought it's this cloud that we see. C'est pourquoi le frère a précisé. That's what Brother Branham precised. Il dit que ce n'est pas les cumulonimbus. He said it's not the cumulonimbus. Mais c'est une nuée de gloire. It's a glory cloud. Amen. Donc quand il vient, when he comes, ça apparaît comme des nuages. It appears like a cloud. Mais c'est quelque chose de différent. But it's something different. Les autres là ont dit. The others said. Non, ces jours-là, on était en train d'essayer le missile. On that day they were trying to missiles. Et cela a produit une fumée. And produced a certain smoke. Et c'est ce que le frère Branham dit que c'est Jésus. It's this kind of thing that Branham is calling Jesus. Bon, quelle est cette fumée-là? Which kind of cloud? Qui a produit les yeux? Which produced the eye? Les nez? The nose? Et même la barbe? Even the beard? Amen. Donc, l'humanité est dans la confusion. The human. Le frère Branham dit que cette nuée qui est venue, like that cloud that came, c'est la même nuée qui était avec les enfants d'Israël. It's the same cloud that was with the children of Israel. Quand les enfants d'Israël étaient avec cette nuée, when the children of Israel were with that cloud, les gens pensaient que c'était simplement un nuage. People thought it was just a cloud. Et pourtant, c'était la forme de Dieu. It was a form of God. Et maintenant, quand la nuée descendait, and when the cloud came down, et les gens disent, ah, c'est Jésus. Oh, it's Jesus. Comme il s'est arrêté dans l'espace, stop in space. Donc, il est venu pour nous prendre. He came to take us. Frère, brother, dès le jour de l'enlèvement. Soon we will go to the rapture. Et on appelle ça la seconde venue du Seigneur. And calling the second coming of the Lord. Il est venu pour nous enlever. To come and take us. Et le frère Branham vient. Branham comes. Il va identifier ça. He identifies it. Il dit, he says, que c'est le septième sceau. It's the seventh seal. Ce n'est pas ce que vous voyez. It's not what you see. Ce n'est pas parce que c'était arrêté dans l'espace. It's not because it stopped in the space. Veut dire qu'il vient pour nous chercher. Come to take us. Il faut suivre ce que le frère Branham dit. You have to follow what Branham said. Le frère Branham dit. Et c'est Apocalypse chapitre 10. Revelation chapter 10. 1 à 7. 1 to 7. Et qu'est-ce que nous voyons là-bas? What do we see? C'est Christ qui descend, qui met un pied sur la terre. One feet on earth. Et pourtant, dans la deuxième venue, il ne touche pas la terre. He hasn't touched the earth. Et là, and there, il a touché la terre. He touched the earth. On a compris we que ce n'était pas la deuxième venue. It's not the second coming. C'était la troisième. The third coming. Le septième saut. The seventh saut. Amen. La venue de la nuée, ce n'est pas la deuxième venue de l'enlèvement. Non, the second coming of the rapture. La venue de l'enlèvement, the coming of the rapture, c'est la venue de la nuit. It's the coming of the night. La nuit, the night, c'est lorsqu'il y avait des ténèbres. When there were darkness. Les ténèbres, darkness, c'est le diable. It's the devil. Qui a été aussi créé au premier jour. Who was also created in the first day. Et les ténèbres, and the darkness, c'était dans les âges. It was in the church. Yeah. Comme l'enlèvement, c'est dans la nuit. As the rapture is in the night. C'est-à-dire, it means la nuit des âges de l'église. Yeah. Et lorsque la nuit apparaît, when the cloud appears, c'est le lever du soleil, the rising of the sun, qui nous ôte de la nuit, which takes away la véritable lumière, the true light, qui a été créée au premier that jour. Was created in the first day. Le frère Branham dit, yeah, Branham says this. 94, les sept âges de l'église. The seven church age. Et alors, les nuées sur lesquelles il viendra. The cloud in which he shall come. Donc il vient sur les nuées. He comes in the cloud.
Par les nuages que vous voyez là. Non, the cloud that you see there. Le cumulonimbus. Ce n'est pas ça. It's not that. Il vient comes avec with les nuées. The clouds. Amen. Les nuées, the clouds, c'est au pluriel. Is in plural. Parce qu'il ne vient pas seul. It doesn't come alone. Il vient avec. It comes with. Amen. Amen. Et le problème c'est que the problem is, tout ça, all of that, c'est Christ. It's Christ. Et même ceux-là qui ont formé la perruque, even those that formed the wig, c'est toujours Christ. It's still Christ. Voilà pourquoi on dit, that's what we say, que c'est la venue de Jésus. It's the coming of Mais quand Jésus vient là, when Jesus comes there, c'est Jésus Jesus et toute la famille. And all the whole family. Tu as trouvé ça? Yes. Amen. Je t'attendais. Et alors, and now, les nuées sur lesquelles il viendra, the cloud that he's coming in, si seulement nous avions le temps de voir tout cela, if just we had time to get all, le problème c'est que the problem is, les gens n'ont pas pris le temps de bien voir cela. People didn't take time to look at it properly. Amen. Mm-hmm. D'examiner le véritable arrière-plan de toute la chose. Eh bien, la nuée sur laquelle il viendra. The real background of the whole thing. Now, the cloud is coming in. Ce n'est pas un nuage comme un cumulonimbus. It's not a cloud like a thunderhead. Amen. Ce n'est pas comme ça. It's not like that. Il y a les nuages. There's a cloud. Mais la venue de la nuée, but the coming of the c'est un événement. It's an event. Maintenant, le problème c'est que, but the problem is, quand les gens voient ça, when people see it, cela est tellement fondu dans les nuages que nous voyons. It's so mixed in that cloud that we see. Et les gens pensent que c'est quelque chose de naturel. People think it's a natural thing. Tu vois, madame dit, madame said, que la nuée est descendue plus bas. The cloud came so low. Donc, c'était à 30 miles. It was around 30 miles. C'est donc dans la hauteur donc même les avions n'arrivent pas. In the height where the plane cannot reach. Les avions vont plus haut que ça. The plane goes higher than this. Et même les nuages sont plus haut que ça. Even the cloud is more higher than this. Mais cette nuée là, by that cloud, est descendue vraiment bas. Came down. Jusqu'à ce que ça intrigue la science. Up to a point where the science was concerned. Ils ont dit, mais comment est-ce que cette nuée descend plus bas? How come this cloud has come so low? Il y a toujours une nuée. There's still mais ce jour-là, c'était un nuage mystérieux. It was a mystery or cloud. Jusqu'à ce que la science, up until science, a pris l'initiative de prendre la photo. Took the idea to take the picture. Et quand ils ont pris la photo, when they took the picture, ils ont dit que non, ça c'est quelque chose de mystérieux. They said, no, this is a mystery thing. Allons-y demander à un prophète. Let's go and ask a prophet. Et quand le frère Branham prend ça, took it, il dit, he said, tournez. Talent. Et quand on tourne ça, when it turns it around, il dit que c'est Jésus qui est là. Said Jesus there. Et lui-même le frère Branham, il identifie ça, he identifies it comme étant as le septième sceau. The seventh seal. Amen. Amen. Il dit, he says, voyez-vous, si 95, eh bien, quand Jésus a été prouvé d'une nuée par Dieu sur le mont de la transfiguration. Now, when Jesus was overshadowed by God on the mount transfiguration, et lui et ses vêtements étaient couverts d'une nuée. Cloud overshadowed him and his raiment. Voyez-vous? Si. Et quand Élie est arrivé là, and when Elijah was calmed down, une nuée est descendue. A cloud calmed down. Et l'a enlevé. And received him up. Non pas une colonne de feu. Not a pillar of fire. Non, je veux dire non pas un cumulonimbus. I mean not a thunderhead. Mais une nuée de gloire. But a cloud of glory. Et lorsque la nuée là est venue, and when the cloud came, on avait compris. They understood. We understood. Et c'était le septième sceau. Si c'est le septième sceau, the seventh sceau. Ça veut dire Christ qui vient avec son épouse. The Christ coming with his wife. Cela veut dire that means pour ceux qui étaient dans l'enlèvement, so the rapture, c'était déjà passé. It was already passed. Si les gens pouvaient comprendre c'est quoi la nuée, if people can only understand what's the cloud, ils comprendront, they will understand. Que la promesse de la nuée, ce n'est pas la promesse de l'enlèvement. The promise of the cloud is not the promise of the rapture. La nuée, the c'est Christ qui retourne, is Christ coming down pour exercer le jugement, to fulfill the judgment. Où?
where? Sur la terre. On earth. Voilà pourquoi il met ses pieds sur la terre. That's why he placed his feet on earth. Et le problème c'est que. The problem is. Qu'est-ce que les gens appellent la terre? What people call earth. Donc, amen. Et qu'est-ce que les gens appellent les pieds? And what people call feet. La nuit est descendue. The cloud has come. Il y a un frère qui avait prêché. There's a brother who preached. Lui, il avait la révélation. He had a revelation. Il dit pourquoi la tête est descendue? He said why did the head come down? Il dit parce que le corps était sur la terre. Because the body was already on. Parce que la pyramide. The pyramid. L'épouse. The bride. C'est le corps. Is the body. Et Christ est sur la tête de l'Église. Christ is the head of the church. Quand il vient se compléter. When he comes to complete himself. Il vient coiffer la pyramide. How to shape the pyramid. Il amène la dispensation à la fin. He brings the dispensation to the end. Amen. Voilà, on tourne la photo. Let's turn the picture. Le troisième jour. The third day. On dit. Said, Dieu dit que God, les eaux qui sortent au-dessus du ciel se rassemblent en seul lieu. Ah, ça j'ai déjà dit ça. Et voilà. Dieu dit que les eaux qui sortent au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu. And God said, let the water under the heavens be gathered. Au-dessous du ciel. Vas-y. And God said, let the water under the heaven to gather together unto one place. Et que les secs apparaissent. And let the dry land appear. Et cela fut ainsi. And it was so. Dieu appela les secs terre. God called the dry land earth. Il appela la masse des eaux mer. And the gathering together of the waters called his sea. Dieu vit que cela était bon. And God saw that it was good. Donc il a rassemblé maintenant les eaux ensemble. He gathers the waters together. Et il appelle ça la mer. And call it the sea. Mais avant que la terre puisse être là, before the earth, la mer a précédé. The waters. Voilà pourquoi il y a plus. That's why there's more. Des eaux, more waters que la terre. Than the land. Parce que la terre a existé avant. Because the earth existed before. Mais le frère me dit. Rabbanan said. La lune. The moon. Est là pour limiter les eaux à ne pas inonder la terre. Is here to allow the to stop the water to cover the earth. Amen. Parce que même la terre. Because even the earth. C'est une propriété des eaux. It belongs to you. C'est Dieu qui avait rassemblé ça. It's God who gathered water. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau partout. It means there was water everywhere. Et Dieu rassemble l'eau. And God gathered water. Donc c'est-à-dire une grande quantité d'eau. That means a great part of water a été rassemblé. Was brought together. C'est-à-dire si la lune n'est pas là pour surveiller l'eau. It means if the moon is not there to watch the water. L'eau va déborder. The water will go over. Voilà pourquoi nous avons des inondations. That's why we have floods. Parce que l'eau a toujours tendance à revenir dans sa position. Because the water always wants to go back to its position. Et la partie sec. And the dry parts. Dieu appela ça terre. And God called it earth. Mais les eaux qui sont allées au ciel. The water that went to heaven. Dieu n'a pas condensé ça. God did not gather it. C'est partout. It's everywhere. Amen. Dieu dit que la terre produisait de la verdure. Et de l'herbe portant la semence. Les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Ici là, c'est la notion de la loi de la reproduction. It's the law of reproduction. Amen. Que nous allons aborder plus tard. Which we will see it next time. Je vais sur ça. Mais là, le quatrième jour. Now the fourth day. La Bible dit. The Bible said. Dieu dit. God said. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. And God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. And let them be it for signs and for seasons and for days and years. Donc dans le quatrième jour, in the fourth day, Dieu crée maintenant les luminaires. God created the firmament. Et pourtant dans le premier jour, why in the first day, Dieu créa la lumière. God created the lights. Donc il y a la différence. There is difference entre la lumière between the lights et les luminaires. And the firmament. Les luminaires produisent la lumière. The light, the firmament produces the lights. On dit quoi? Firmament. 14. God said, let there be light in the firmament of the heaven. Voilà. En anglais, on appelle ça light. We call it light. Donc, les luminaires ont été créés après dans le quatrième jour. C'est ça qui marque la différence entre la lumière du premier jour et les luminaires du quatrième jour.
Donc quand on arrive au quatrième jour, when we get to the fourth day, c'est maintenant là que Dieu crée le soleil et la lune. That's when God created the sun and the moon. La Bible dit, the Bible says, et qu'il sert des luminaires dans les étendues du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. And let there be light in the firmament of the heaven to divide the day and the night. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour et les plus petits les luminaires pour présider à la nuit. Il fit ainsi les étoiles. Donc Dieu maintenant, God now, crée tout ça, create all of that, dans les quatrième jours. In the fourth day. Et pourtant le premier jour, in the first day, il avait déjà créé la lumière et les ténèbres. He already created the light and the darkness. Donc il y a une différence, there's a difference entre la lumière between the light et le soleil and the sun. Parce que le véritable soleil, the truth, sir, c'est Jésus-Christ. Jesus, car il est le soleil de la justice. Because it's the sign of justice. Amen. Voilà pourquoi le frère Branham dit que le diable ne peut pas toucher le livre de Genèse. The devil cannot touch the book of Genesis. Parce que le livre de Genèse, the book of Genesis, parle de toute la Bible. Speak of all, the whole Bible. Dans ce livre de Genèse, in that book of Genesis, il y a la divinité. There's a deity. Dans le livre de Genèse, the book of Genesis. Donc là, ça nous explique même les mystères de l'enlèvement. It also explains the mystery of the rapture. Parce que ça nous explique l'homme selon Dieu et l'homme selon l'homme. It explains us God, man as God and man as man. Amen. Amen. Maintenant, now, quand on parle de l'espace là, when we speak of that space there, il y a quelque chose que je n'ai pas lu. There's something that is not read. En parlant de l'espace. Speaking of the space. Le frère Branham dit, said, quand les gens disent que nous allons les rencontrer dans les airs. When people say we're going to meet him in the air. Amen. Le frère Branham dit, said, que les airs, that the air, c'est l'espace qui a été déployé pour nous racheter. It's a space that was made to save us. Donc nous les rencontrons dans les airs. We meet him in the air. Parce que l'espace pour les rachats. The space for the rapture, for the c'était rapture, les sept étages de l'église. It was the church ages. Donc si nous allons rencontrer Jésus-Christ, if we going to meet Jesus, nous allons le rencontrer dans les sept étages de l'église. We going to meet him in the seven church ages. Amen. Amen. Parce qu'il fallait qu'il y ait sept veilles. Because it has to be seven watch. Yeah. Le frère Branham dit ceci. Dans le book of Hebrews. Oh Dieu. Oh God. Bénis-nous. Bless us. Nous avons besoin de toi. We need you. Garde-nous toujours fidèles et loyaux jusqu'au moment où tu viendras nous chercher. Keep us ever faithful and true until the time you come for us. Amen. Amen. J'ai vu une sœur. I saw it. Il dit, oh frère. He said, oh brother. J'attends les jours-là. I'm waiting for that day. Quand Jésus viendra nous chercher. When Jesus will come to look for us. Bon frère. Quand Jésus vient. When Jesus comes. Il vient pour les noces. He comes for the supper. Amen. The wedding supper. Oh, les noces, the wedding supper, c'est après le mariage. The wedding supper, the wedding feast is after the marriage. Or, dans sa deuxième venue, in the second coming, il ne met pas ses pieds sur la terre. He doesn't put his feet on earth. Il les rencontre dans les airs. He meets him on the earth. Pour l'amener. To take him. Le mariage, c'est où alors? Where's the marriage? Voilà pourquoi le frère Branham dit. Que Jésus n'a jamais quitté la terre. That's what the Bible says. Jesus has never left the earth. Quand il se mettait dans les airs, when he will be on the earth, ce n'est pas les airs dans le sens qu'il est suspendu là. It's not the earth where he's suspended there. Amen. Les airs en question, the earth in question, c'est lorsqu'il vient dans les âges de l'Église. When he comes in the church ages, dans cet espace là, that space qui est déployé pour nous racheter, which is made to redeem us. Ou sinon, otherwise, il n'y aura pas la fête des noces. There won't be any wedding supper. Tu ne peux pas amener quelqu'un aux noces si tu ne l'as pas épousé. You cannot take someone in a wedding. Face. Donc Jésus doit d'abord être sur la terre, Jesus has to be on earth, faire le mariage, do the wedding, et amener sa femme. And take his wife. Et pourtant, on nous dit, what they tell us, il va s'arrêter quelque part. He will stop somewhere. Yes, sir. Et le mariage a eu lieu quand? When was the marriage? Amen. Amen. Le mariage a eu lieu. When was the marriage? Durant les âges d'église. The marriage was during the church. Dans le dernier âge. In the last age. Et quand il vient maintenant, when he comes now, il prend l'épouse, he takes the bride, comme Roméo et Juliette. As Romeo and Juliet. Et Roméo, quand il est
venu prendre Juliette. And Romeo, when he came to take Juliette, frère, il n'était pas dans l'espace. Brother, he wasn't in the space. Romeo était là. Romeo was there. Il était même sur la terre. He was on earth. Pour monter. To go up. Il a pris l'escalier. He took this, the ladder. Amen. Mm-hmm. Il est monté sur l'escalier. He go up the ladder. Pour prendre Juliette. To take Juliette. Et c'était la nuit. And it was night. Pendant que tout le monde dormait. While everyone was sleeping. Le mystère de l'enlèvement, c'est comme Romain et Juliette. It's like Romain and Juliette. Pendant la nuit, during the night, pendant que les gens dorment. While people are sleeping. Mais à la septième veille, the seventh watch, le mari est venu. The husband, le bridegroom est venu. Came. Pour récupérer to take l'épouse qui avait de l'huile. The bride who asked. C'était la midnight. It was midnight. La voix qui criait à minuit. The voice that was shouting in the midnight. Et le lever du soleil. And the rising of the c'est sun. C'est déjà la journée. It's already the day. Ce n'est plus minuit. It's no more. Alors, il y a un monsieur en Côte d'Ivoire. There's a man in Ivory Coast. Qui s'appelle Kapo Philippe. Who's called Kapo Philippe? Lui, il est la voix de minuit. He says it's the voice of midnight. Il dit non, le message de Frère Branham. He says the message of Branham. C'est le message du temps du soir. It's the message of the end at evening time. Et moi, je suis la voix du minuit. I am the voice of midnight. Je dis, mais, vraiment. Nous sommes déjà dans le lever du soleil. We are already in the rising of the sun. Toi, tu nous parles de la voix du minuit. You speak to us of the voice of midnight. J'ai dit au lieu de I told the brother. N'allez même pas discuter, ça ne sert à rien. Don't argue with him. Donc, ça veut dire que lui, Kapo Philippe, là. Kapo Philippe. Donc, il ne comprend rien de tout ce qu'il dit. He doesn't understand what he's talking about. Donc, pour commencer, start, il est dans le faux. He's in the wrong. Et il a séduit beaucoup de gens. And he seduced many people. Mais ceux-là qui ont le plan de Dieu. But those who have the plan of God. Ne seront jamais récupérés par des hommes comme ça. We never be taken by the man. Amen. Écoutez, frère Branham. Listen to Branham. Jusqu'au moment où tu viendras nous chercher. Up to the time you come to take us. Et nous te louerons pendant les âges éternels. And we will praise thee through the ceaseless ages. Amen. Donc il sera loué. He will be praised pendant les âges éternels. During ages, the ceaseless ages. Et ce jour-là, and that day, quand nous tiendrons sur la terre, when we stand on the earth, ses pieds bénis n'ont pas encore touché la terre. His blessed feet has never touched the earth yet. Il se tient là. There he stands there. Dans les airs. In the earth. Ah, frère, tu vois? See, brother. Quand la nuée descendait, la nuée n'est pas descendue sur la terre. The cloud didn't come on earth. C'était dans les airs. It was in the earth. Ah, tu vois? You see? Il est venu nous chercher. He came to take us. Et il y a des pictures. Pictures. On montre la nuée. You see the cloud. Et on montre une femme avec une longue robe. There's a picture of a woman with a long robe. Avec une robe de mariée. A wedding robe. Qui est en train de partir. Who's going? Et Jésus est en haut. And Jesus is up. Il est en train de regarder. He's looking at you. Mais toi, tu as la robe. You have the robe. Tu es marié avec qui? Who are you married to? Parce que le mari n'est pas sur. Because the husband is not on earth. Tout ça, c'est du faux, frère. Oh, that is false. Oh, quand il vient dans le septième soir, when he comes on the seventh, non, il ne vient pas pour marier. He doesn't come to marry. Il vient pour les jugements. He comes for judgment. Yes. Non, les gens ont précipité à faire des dessins. People rush to draw things. Sans comprendre ce que le frère Branham a dit. Without understanding what Branham said. Quand le frère Branham voit la nuée, when Branham saw the cloud, il décrit la nuée. He described the cloud. Donc avant de faire une déclaration sur la nuée, before doing a declaration, il fallait avant voir ce que le frère Branham a dit par rapport à ça. First what Branham said about it. Donc le dessin là est faux. So that draw is wrong. La nuée ce n'est pas Christ qui est venu pour se marier. The cloud is not Christ come to get married. Alors quand ils ont pris ça maintenant, when they take it. De l'autre côté là-bas, yeah, on montre une image où Christ descend avec un cheval blanc. When Christ coming down with a white horse. Et le Christ, il y avait beaucoup de gens derrière lui avec des chevaux blancs. There was a lot of people behind with white horses. Ils étaient en train de venir. They were coming. Il dit, c'est Christ dans sa troisième vie. That's Christ in the third coming. Apocalypse est un livre de symboles. Revelation is a book of le frère Branham dit, yes, sir. Un cheval, c'est une puissance. Branham say a horse is power, is a power. Et tous ces dessins, frère, all those drawings, c'est dans les messages. In the message. My. Yes, sir. Écoutez ce que le frère Branham dit. This is what Branham said. Je vais finir bientôt. I'll finish him. Il se tient. Pardon.
Voilà. Il se tient là dans les airs. Et il se tient there in the air. Et les saints et les rachetés de tous les âges, de chaque veille. And the saints and